Magazine de mode historique et extrêmement populaire aux États-Unis, Vogue se retrouve au centre d'une polémique dont il se serait largement passé. Le 10 janvier, le magazine a révélé la photo qui allait apparaître en couverture du numéro de février et celle-ci a largement fait réagir les internautes. Ce numéro met en avant Kamala Harris, future vice-présidente des États-Unis qui sera la première femme et la première personne noire à occuper ce poste. Sur cette couverture, on la voit habillée d'un tailleur noir décontracté avec des Converse, devant un rideau rose. Le magazine titre, Madame la vice-présidente, Kamala Harris et les nouveaux États-Unis. La couverture de Vogue fait polémique. L'utilisation de cette photo a rapidement fait réagir les internautes, qui font remarquer que la peau de la vice-présidente paraît beaucoup plus claire sur la photo que dans la réalité. Née d'un père d'origine jamaïcaine et d'une mère d'origine indienne, Kamala Harris est métisse, mais les photographes de Vogue n'ont, selon le journaliste du New York Times Wajah Ali, pas réussi à trouver le bon éclairage, qu'elle ratait. Anna Wintour ne doit pas avoir d'amis ou de collègues noirs. Rédactrice en chef de Vogue depuis 1988, Anna Wintour avait écrit en juin dernier une lettre dans laquelle elle s'excusait de ne pas avoir assez mis en avant ses employés et créateurs noirs. Kamala Harris n'avait pas donné son accord. L'équipe de communication de Kamala Harris a indiqué qu'elle n'avait pas donné son accord pour cette photo et que ce n'était une autre qui devait apparaître. Sur cette deuxième photo, également publiée par Vogue sur les réseaux sociaux, on voit Kamala Harris photographiée de plus près, habillée différemment et arborant un sourire moins crispé. Sans l'accord de l'équipe de la vice-présidente, Anna Wintour aurait changé au dernier moment la photo qui apparaît en couverture du magazine. Un choix bien malheureux si l'on en croit les nombreuses réactions qu'a suscité cette photo.